ako sa Tulay ng Kabataan Foundation. Marami na po ang mga batang pinabayaan ng kanilang mga magulang. Marami sa kanila ang naging biktima at masama ang nangyari sa kanila, tulad ng droga o prostitution. Bakit po pumapayag ang Diyos na may ganitong nangyayari? Kahit walang kasalanan ang mga bata, bakit kaunti lang ang mga tao at tumutunong sa amin? Dans notre vie, dans notre monde, on est confronté à la question du mal qui nous prend aux tripes. De plus en plus, on est scandalisé par un nombre de choses abominables qui sont faites autour de nous et qui nous révoltent. Le mystère du mal est inexplicable et pourtant, avec l'expérience que j'ai auprès des enfants des rues de Manille, j'apprends que si on ne peut pas expliquer le mal, si on ne peut pas résoudre entre guillemets le mal et le faire disparaître, on peut pourtant y répondre avec des petits actes d'amour posés au quotidien. Ne nous laissons pas prendre par la logique du mal. Apprenons à répondre au mal par la logique divine, c'est-à-dire le pardon, la compassion, la miséricorde, la joie, un petit sourire, l'attention à la personne. Essayons d'être capables de répondre au mal par l'amour, exactement comme le Christ l'a fait sur la croix, de transformer le mal en un acte d'amour, de transformer le mal en ces petits gestes d'amour qui sont exactement le sens de l'Évangile.